Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite vidéo présentation de la chaîne, ça me tient à cœur. Ça sera pas une vidéo très très longue, voilà, on va juste parler de ce que je veux faire, pourquoi je suis là et qu'est-ce qui m'est arrivé pour en être ici aujourd'hui. Donc je vous explique, ça sera une chaîne qui sera vraiment basée sur tout ce qui est manga, ce que vous avez derrière moi forcément. Les mangas, manga animé, ça fait des années que je kiffe ça. Alors, il y a eu un peu plus les animés pendant un petit moment, je vous avoue, un peu la flemme de lire. Du coup, bah, étant gamin, voilà, j'ai regardé plein d'animés différents. Et là, ça fait un an et demi, à peu près, que bah, ça me manque de lire, en fait. Et donc, je me suis remis à fond dedans. Et j'ai commencé à me refaire une petite collection. Bah là aujourd'hui j'ai 300 mangas à peu près et c'est un kiff, je kiffe ça, je kiffe lire, je kiffe collectionner. Donc pourquoi j'en suis là? Donc je vous explique, en fait tout simplement dernier confinement j'étais chez moi, du coup je me suis retrouvé au chômage partiel comme pas mal de monde et finalement je me suis mis à lire comme un gros porc hein, et puis à jouer aux jeux vidéo aussi, trouver des occupations et je me suis dit mince. Pourquoi je me fais pas un petit Instagram où je parle un peu de ce que j'aime en fait, ma passion tout simplement, donc donner mon avis, faire une photo, ça m'occupera et puis si les gens kiffent tant mieux, si les gens n'accrochent pas tant pis, moi je m'en fiche, c'est pour mon kiff en fait. Finalement ça a plutôt bien fonctionné, j'ai une communauté sur Insta qui est juste incroyable, ils sont tous bienveillants, j'ai énormément de noms qui me viennent en tête, ils sont tous bienveillants. Ils ont tous du talent, ils ont des photos qui sont incroyables, des avis manga qui sont vraiment cool. N'hésitez pas à aller fouiner sur Instagram pour retrouver tout le monde. Ils sont juste incroyables. De toute façon, si vous allez sur le mien, vous les verrez, ils sont dans mes abonnés, c'est une dinguerie. Tout ça pour dire que du coup, je me fais un kiff. Aujourd'hui, je suis à 2000 abonnés à peu près, donc moi, ça me va très bien. Hein. C'est une petite communauté, mais c'est top. Mais derrière, je me dis mince... Il me manque un truc et j'avoue, ma communauté, bah, j'ai commencé comme tout le monde, hein, j'avais un abonné les gars, et finalement je suis monté à 2000 et je me dis, bah j'ai envie d'aller encore plus loin. Donc j'ai envie de faire une chaîne YouTube et de pouvoir vraiment discuter avec vous face caméra et pouvoir vous raconter une histoire en fait. Donc j'ai plein de choses en tête, des trucs classiques, des trucs qui changent un petit peu. Voilà, on va partir sur de l'achat manga, on va partir sur des lectures manga, on va faire des reviews de certaines choses, de certains mangas, de certains titres. Je vais vous parler des intégrales, des mangas qui sont peut-être un peu moins connus, que je vais mettre un petit peu en valeur, vous donner toutes ces informations-là. Et j'ai encore plein d'idées. Est-ce que je m'arrête au manga? Je sais pas, j'ai envie de me faire kiffer. J'ai envie de me faire kiffer, de vous faire kiffer, et je veux pas de barrière. Du coup, pour le moment, je vais être sur les mangas. Après derrière, est-ce que genre il a envie de faire un Mario Kart et de vous en parler et de faire une partie, avec les abonnés, j'en sais rien. Il y a plein d'idées qui sont dans ma tête. YouTube, les gars, j'ai un iPhone. Voilà, j'ai mon iPhone où je m'enregistre. Le son doit pas être terrible et c'est ma priorité. Là, je me permets de faire une vidéo, voilà, un petit peu pas à la va-vite, mais juste pour vous faire une présentation, vous donner les infos sur la chaîne. Derrière là, juste derrière, moi je m'achète un micro, je vais faire le nécessaire. Je veux au moins un bon son. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si le son est vraiment pas ouf. Mais de toute façon, là d'ici la prochaine vidéo, j'espère que j'aurai mon micro pour pouvoir vous faire la prochaine tout simplement. Et puis vous me redirez dans les commentaires si le son va bien. Au niveau de la caméra, du coup, sur celle de l'iPhone, ça devrait aller quand même. Vous me direz ce que vous en pensez et n'hésitez pas à balancer de bonnes critiques. Pas des critiques gratuites, mais bon, ça on connaît. Donc voilà, en fait le but c'est tout simplement de vous faire kiffer, de me faire kiffer. Je vais essayer d'être régulier. Bah voilà, j'ai mon boulot à côté, je vais essayer d'être régulier. Je suis pas pour le moment le montage, on va tenter, on va essayer. Voilà, j'aimerais bien qu'on apprenne ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait grave plaisir. Je vous mettrai dans la description mon Instagram si vous voulez voir un peu ce que je faisais du coup avant. Je vais continuer mais peut-être un peu moins parce que du coup YouTube va me prendre un peu plus de temps. J'ai mon boulot, j'ai YouTube, il va falloir que je fasse le montage. Voilà, j'en ai pour un petit moment donc bon, comme je vous dis, je vais essayer d'être régulier, je vais essayer de vous faire un truc sympa et de vous faire kiffer, de me faire kiffer. Je me répète beaucoup. Tout est dit, donc je vais arrêter la vidéo juste ici. J'espère que vous avez quand même apprécié, même si c'était voilà, une vidéo très très simple hein, où
où je discute avec vous face caméra tranquillou, je vous présente aucun manga. Mais ça va arriver, la prochaine vidéo, j'ai déjà mon idée. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.